Hello tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct de Dofus pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 14 d'un nouveau départ si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, donc excusez-moi je réponds. Puisque c'est un épisode spécial préparation pour le tournoi des 10 ans. Oui, puisque comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, si je ne me trompe pas, je vais participer au tournoi des 10 ans et je devais le faire avec mon Zobal. Je vais profiter du combat pour vous expliquer ça et je vous présenterai tout après. Je vous laisse juste ça en fond. Donc, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que j'ai fait à Grob? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, on est le mardi 25 février. Et il y a un bonus donc d'XP de 200%, un bonus apporté de 200% par les challenges sur l'île de Grob. Et donc j'ai trouvé un petit groupe, je vous expliquerai comment et tout ça après. Et je vais participer, donc pour participer au tournoi, vous devez savoir qu'il faut un personnage niveau 150 mini. Et donc j'avais mon Zobal, mais je n'ai pas trouvé, on devait trouver un Eka. Pour jouer en... Maintenant je peux vous le dire, on devait jouer en Oza, Zobal, Eka. Et on n'a pas trouvé d'Eka ACHL. Du coup, ça sera... Ah là, le plafond qui crit, c'est parfait. Hop. Du coup, ça sera donc moi qui jouerai un Eka. Donc c'est pour ça que vous voyez mon Eka ici. Et je serai accompagné d'un Oza et d'un Yop. Oulala, c'est très original. Je vous parlerai de ça plus en détail, maintenant on va s'intéresser un peu... Comme j'ai pas fait de présentation, je vous présenterai ça après. Ça s'est lancé un peu à la rage, vous avez dû voir. Donc qu'est-ce que je fais là avec ces gens? Eh bien c'est tout simplement une... L'information majeure c'est... L'information majeure de cet épisode, j'ai tout simplement changé de guilde. Il y a pas longtemps en plus, il y a genre quoi, une demi-heure. Donc je suis maintenant dans la guilde Moonlighters. À qui je fais une grosse dédicace à tous les membres. Hop, par contre avec les cas. Alors on va faire les boosts. Pff, la roulette PA qui est fat. Je commence à taper. Tape pas mal les cas quand même. Donc voilà, j'ai tout simplement changé de guild que avec le Zobal, bien sûr. J'ai foutu 8 millions d'XP guild dans l'air, mais bon. Voilà, donc bien sûr, tout particulièrement une grosse dédicace à Boyka, le meneur, qui m'a gentiment invité. Et donc voilà, je suis dans l'alliance Érosion, si ça vous intéresse de tout savoir. Et on est parti à Grob pour vous, pour justement XP mon Eka. Bah, c'est pas que pour XP mon Eka, mais entre autres, moi c'est mon but, donc de le faire hop niveau 151 pour être sûr, parce que je ne sais pas si c'est 150 ou 151. Donc pour être sûr, je vais l'up 151 et je vous reparlerai du tournoi un peu après et je vais vous présenter le combat. Donc on peut le dire un début, gros début brouillon puisque le début a commencé un peu sur le tas. Mais bon, on mettra tout ça dans l'ordre après le combat. Je vais en venir au fait. Nous sommes contre un fantôme Bandicas de niveau 176, un deuxième fantôme Bandicas de niveau 164. Un fantôme pendule de niveau 190. L'archi fantôme Tanuki Shan, donc Fan Francisco le cosmopolite. Un fantôme Leopardo de niveau 170. Et un fantôme Tanuki Shan de niveau 60. Donc on est parti. Le 190, il est là. Donc on va aller le taper. Comme ceci, voilà. Et mettre un petit Tortouruga sur le SRAM. J'ai pas besoin de mettre le mode tactique, je pense que ça vous gênera pas, en tout cas moi ça me gêne pas. Et donc bien sûr pour cette vidéo, donc ils sont pas sur Skype ni rien, mais ils sont avec moi dans le combat et c'est eux qui vont faire à mon avis le plus gros du boulot. Donc il y a Powerful, un Yop de niveau 195, il y a Nick Droopy, un Elytrophe de niveau 200, il y a bien sûr moi Evino et mon Eka Wistiti. Et il y a Mentaliste, une Sramette de niveau 191. Et donc on va se taper ce petit groupe avec un Chal 165%. Je sais pas si ça va faire 165 plus 200 ou 165 tout court.
savoir. En tout cas, on verra ça à la fin du combat. Et moi, il faut que j'essaye de toucher ce fantôme. Si je me donne des PM, ça devrait le faire. C'est parfait. Il tape bien fort, les cas. Vous avez pu sûrement voir que j'ai changé de panneau. Que je l'ai passé en panoplie du Shenmue. J'ai changé son cac aussi, vous verrez sûrement ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait, l'Iop? Il va quand même, ça c'est bien joué. Hop, le bon, oui, ça il va. On va continuer à taper sur ce fantôme pendu. Ah non, il tape pas. Qui est malheureusement assez loin. Je sais pas si Nick Joupi va pouvoir le taper. Ça va être chaud. Ça va. Il est 3800 points de vie, on devrait le gérer assez facilement, je pense. Ah si, il peut le taper, c'est nickel. Et après, donc après celui-là, ça sera qui? 990, 164, 176, a priori. A priori, oui, ça sera le fantôme Pandicaz à niveau 176. Le pendule qui joue, qui retire des PA. Il focus la SRAM, je sais pas ce qu'elle leur a fait. Et donc, je vais tout simplement l'idée. Voilà. On va le placer. Un Torturuga. Je vais peut-être descendre la timeline aussi, ça sera mieux. Hop, comme ceci. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous filmer ça change un peu. Ça change aussi des présentations de 3 heures où de toute façon j'ai rien à vous présenter, c'est juste de l'XP que j'ai fait. Ce sera mettre qui fait vraiment mal. C'est juste de l'XP que j'ai fait sur mon Zoba, je peux vous le montrer vite fait. J'ai joué le tour de mon EK avant. Allez, une petite roulette 58. Roulette 400 tel, oulala. La roulette 400 tel. Je vais faire la libération. Nickel, je peux mettre le coup de cac. Il tape pas mal quand même le cac, hein. Ça tape pas mal, donc je voulais vous montrer sur le Zobal. Il est niveau 178, pourtant j'ai rien fait de spécial. Mais il a pas trop depuis la dernière vidéo où j'étais dans les 170, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, et lui dire qu'il fait vraiment mal. Regardez, ça 700, quasiment 700 à l'épée Diop. Donc voilà, ça change, Grob. C'est pas un truc où je serais allé tout seul. Donc c'est sympa de le proposer avec vous, ça change pour vous, ça change pour moi. Puis je suis pas tout seul, je suis pas dans ma team, je suis pas tout seul. Je trouve que ça va être un. Je pense que ça va être un épisode bien sympa. On va pouvoir parler un peu de tout. Et on va pouvoir faire quelques combats, c'est sympa. Je pense pas qu'il soit extrêmement long, mais pas qu'il soit extrêmement court non plus. Je pense qu'une demi-heure 40 minutes pour celui-là, ça devrait être pas mal. 7, 6, 4, ça passera pas. Donc du coup, je vais remettre une Torturuga. Et on va commencer à retaper sur lui, voilà. Avec une petite apathie. Hop, donc. Je précise qu'avant, là, il y a beaucoup de monde juste pour la Manax, mais sinon, avant, la zone de Grob, c'était la zone la plus farmée du... Bah, une des zones les plus farmées de Dofus 1.29. Avec le Shenmue et le... J'ai perdu le nom. C'est magnifique, le Minotaur, voilà. Et le Ouga aussi, bien sûr. Et bon. Le Ouga, son défaut, c'est qu'on ne dropait pas de Dofus dessus. Malheureusement. Ouh, il a roulé de PA encore une fois. Là, ça va être le coup de cac à venir. Puis, les deux top cages. Et le bon. Du félin. Et je sais pas pourquoi, c'est... Pourquoi la Xiotine a fait quasiment autant mal que les top cages? C'est assez bizarre. Enfin bref, ça va être... Et lui est en 12-6 de base. Ah oui. Il est en 12-6 de base, j'avais pas vu. C'est de la précipitation. Je vous ai pas montré aussi. Je vous dis, c'est l'épisode du brouillon où je me souviens un peu tout. La sagesse des mondes des 4, donc il monte à 400. Parce que j'ai pas mis les points, sinon il monte à 400. Avec un Shijokax acidulé. Qui devrait largement suffire pour le faire
Pour le faire up 150. Après, je verrai si je prendrai des autres persas ou pas. Tac tac tac. Bah écoutez, puisque le combat là, a l'air bien, il a l'air posé et qu'on a un peu de temps, je vais commencer tout de suite à vous parler du tournoi. Donc déjà, petite présentation. Le tournoi des 10 ans, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi organisé donc par Ankama pour les 10 ans d'Ankama tout simplement. Et c'est donc un tournoi Dofus bien sûr, où tous les joueurs de plus de niveau 150 peuvent y participer. Mais pour ça, il y a quelques conditions à remplir. Donc être du niveau 150 minimum, être par 3, se trouver un nom d'équipe qui soit valide bien sûr, et être disponible tous les week-ends du, je l'ai noté quelque part, du 29-30 mars, attendez, je joue mon tour, 29-30 mars, 5-6 avril et 12-13 avril. Hop, voilà, je vais ramasser mon plastron comme ceci et voilà, on va juste se décaler ici. Donc voilà, j'ai noté tout ça, je reprends ma feuille. Donc je vous disais, le 29-30 mars, le 5-6 avril et le 12-13 avril de 13h à 19h. Les combats donc se dérouleront en format 3 contre 3, donc comme en Coliseum. Avec beaucoup de restrictions de classe. Par contre ça je l'avais pas préparé du tout. Je vais vous sortir tout ça. Et comme d'habitude vous aurez la page dans la description. Donc c'est ouf. Tic 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 tic. Tournoi de 10 ans, inscription imminente. Donc les inscriptions commencent demain, c'est pour ça que je l'up aujourd'hui. Je sais que je m'y prends un peu tard mais on n'y avait pas pensé avant. Et là ça va être Phantom Leopardo qui va falloir que je tape. Ou la roulette 400 force. A mon avis Powerful va bien pouvoir se faire plaisir. Et donc voilà, les inscriptions seront limitées à 1500 équipes, ce qui veut dire 4500 joueurs. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir aller très vite pour s'inscrire demain. J'espère normalement être dedans. Tac tac tac, je retrouve, je suis sur le topic en même temps, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc les combats se dérouleront en format ronde suisse, c'est-à-dire comme en Coupe du Monde de foot ou comme au Goulthard. C'est exactement la même chose, des rencontres avec les mêmes règles, les, je sais pas s'il y a les mêmes règles qu'au Goulthard. C'est pas noté, enfin. Et donc tout ça dans une compo 3v3, ça fait au moins 3 fois que je le dis. Et avec beaucoup de restrictions de classe, comme par exemple le Feka qui ne peut pas être joué avec la moitié des classes du jeu. Ça fait beaucoup. Hop, on va pouvoir lui mettre une furiale et se barrer. Donc le Feka qui ne peut pas être joué avec le Xelor, l'Ozamodas, l'Eniripsa, le Sacrieur, le Zobal, le Feka, le Leka Flippé, le Steamer. Donc ça fait la moitié des classes du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Et pareil pour le Yop et l'Ozamodas. Le Yop qui a été placé en entre guillemets pilier, puisque c'est plutôt, comme je viens de vous le dire, des associations de classe, mais pas des piliers comme on a au Goutard avec l'Eni, le Sacri, l'Oza et le Xel. C'est lequel qu'il faut qu'on tape. La roulette PA. Faire du soin. Nickel, ça fait du. Cet EK fait vraiment du bon soin. Moi ça me plaît. Et c'est magnifique parce que je viens de tout rien sous de tout rien de Félention sous Fougue, des erreurs que je ne ferai pas j'espère au tournoi. Donc quoique non, je vais pas vous le mettre là, ça serait dommage. Donc tous les compos entre guillemets cheatés du jeu ont été mis sous entrave, à savoir par exemple le Xelor et Kaflip, le Yop Zobal qu'on voulait jouer à la base.
le Yop et Nusakri, le... voilà, toutes ces compos-là, le Xel Fécal, le Loza Steamer, Loza donc bien sûr avec les piliers, voilà. Et j'en passe, vous verrez tout ça dans le topic. Et donc qu'est-ce qui va se passer dans le tournoi, à mon avis vous devez savoir, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais le raconter quand même. Donc ce tournoi, vous allez être téléporté, donc quand vous serez inscrit, sur un serveur avec une copie de votre personnage qui sera niveau 200, parchoté 101 partout, sans parchot de sort, bah, sans SANS, et avec tous les stuff niveau niveau 200 du jeu, tous les stuff du jeu à partir du niveau 160. Hop. Et je vais dire frac. Ça devrait pouvoir le faire, je pense. Et non, ça va pas suffire. Mentalis qui va quand même mourir. Mais le challenge sera réussi, ça sera le principal. Encore une roulette 400 force. Et voilà, de toute façon, c'est fini. Donc, je sais même plus ce que je vous disais. Ah oui, le tournoi, donc, qui... tous les stuff niveau 160 à 200 seront mis à votre disposition, ainsi que 9 Dofus, le Dolmanax, le Dofus Emerald, le Dofus Vulbis, le Dofus Turquoise, le Dofus Pourpre, le Dofus des Glaces, le Dofus Kawat, et bien sûr, le fameux Dofawa. Tous les trophées du jeu, sauf les porteurs, bien sûr, parce que ça sert entre Arien et Arien. Tous les équipements du jeu, donc niveau 160 ou plus, toutes les armes niveau 160 ou plus, forge magée à 80% de chaque élément, des archétypes forge magée à 50%, et les, bien sûr, les cacs en version neutre. Et pendant que je vous parle, je vais pouvoir achever ce combat avec une très belle XP à la clé. Puis en plus ça drop un peu, je sais pas combien ça vaut, mais c'est pas mal. Donc très belle XP à la clé, on a pris notre temps et tout. Donc voilà, c'est pas mal je trouve. Et il y a il a repop juste derrière. Ouais. C'est comme ça, c'était... Il était dissident, voilà. Il a repop juste derrière. Enfin bref, pendant qu'il parle, j'ai bien le canal groupe. Je vais relire. Voilà. Je leur préviens quand même que je vais vous expliquer. Je vais vous laisser sur le stuff et stats de mon Zobal en attendant. Donc je ne sais même plus ce que je vous dis. Ah oui, tous les familiers, les Toucans pour les résistances fixes et les Scarador pour les résistances en pourcent dans les 5 exemplaires. Pas de mixte. Donc un O, un R, un feu, un terre, un neutre. Pas de mix au terre comme on peut avoir sur le serveur officiel. Les 5 montiliers, donc le Bruli, le Sirocco, le Compost, le Déjuge et le Qualtès. Et tous les Dragozins de niveau 100, bien sûr. Les seules restrictions pour ces équipements, c'est que nous n'aurons pas le droit aux FM exotiques, donc pas d'Exopia, pas d'Exopm. Et nous n'aurons pas le droit aux armes d'incarnation, pardon, j'ai galéré, aux consommables. Et au parchemin de sort. Puisque on devra se débrouiller avec nos 199 points de sort naturel. Ce qui veut dire 13 points, 13 sorts à monter niveau 6. J'imagine pour les Osamodas ou pour toutes les autres classes comme ça, genre les Zenus, ça va être bien galère. Et donc, pendant que je parle, ils sont repartis. Ils sont repartis pour un deuxième combat. Et j'ai pas repris ma vie sur mon Zobal. Attendez, on va faire comme ceci. Hop, je vais placer mon Eka ici. Et power, où t'es, power, où t'es, genre. Il manque power, je sais pas où il est. Et il...
Et c'est trop tard, on va faire le combat sans power. Aïe 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 aïe. Ça va être assez compliqué. On abandonne. Ok. Donc, bah on va abandonner sur ce et je vous fais une petite. Est-ce que je vous fais une ellipse ou pas? Non. Je vais pas vous faire d'ellipse, je vais. Je vais continuer pour vous parler du tournoi. On va prendre un peu de pain. Donc voilà. Donc c'est parti. Voilà, on va pouvoir revenir au tournoi pour la cinquième fois. Et vous aurez bien sûr accès, comme au Gultar, à un PNJ pour réinitialiser vos caractéristiques, pour réinitialiser vos sorts et pour récupérer votre vie si jamais vous réussissez à perdre contre un Punching Ball. Et vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt slash la récompense de ce tournoi. Eh bien, les récompenses ne sont pas communiquées, mais bah, les récompenses entre guillemets, puisque les 8 meilleures équipes, donc sur 1500, ça fait. C'est déjà l'élite du prestige de la haute gastronomie de Dofus. Oui, ça veut rien dire. Et ces 8 équipes-là, donc les 8 meilleures, seront qualifiées pour aller jouer les phases finales à l'Ankama Convention des 10 ans, le 2, 3 et 4 mai, à la gare Saint-Sauveur à Lille. Ça doit être ça. Et donc, petit problème, puisque Mentalist, pardon, nous a fait faux bond. Donc c'est pas grave, la vidéo sera plus courte que prévu. Vous aurez vu quand même un combat, et que j'étais en train d'XP mon NECA. Je vous mettrai peut-être le combat où j'op les K150 après. Donc sûrement plus tard dans la soirée, vous verrez ça. En tout cas, je vais pouvoir vous finir de vous parler du tournoi pendant que je vais régénérer ma vie. Hop. Maintenant, de toute façon, que je vous ai expliqué les bases du tournoi, c'est ça ne sera pas compliqué à comprendre le reste. Voilà. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il en est tout simplement que je vais participer à ce tournoi et je ne serai pas tout seul puisque je serai en compagnie de Host si je me trompe pas. Et oui, parce que c'est un yup que le pote d'un de quelqu'un que j'ai rencontré sur le chat du CDO qui m'a l'air très qui a l'air très sympa d'ailleurs. Et Ruga, pardon, je l'ai mélangé dans les noms. Donc c'est un hop j'en sais où t'as c'est un j'allais dire un SRAM un ah je galère aujourd'hui sa viance un sacrilleur du serveur Agrin donc qui m'a proposé qu'on fasse team ensemble et j'ai accepté donc comme vous l'aurez sûrement compris comme j'ai déjà dû le dire dans la vidéo notre team sera donc les cas ici un Yop et un Nozamodas. Donc c'est à peu près la team que beaucoup de monde va prendre, mais excusez-moi si vous allez gueuler. Ah oui, c'est vrai, on est incroyable. Oui, mais Vino, tu prends une team cheatée, tout ça. Je ne fais pas ça, vous savez que j'aime pas les teams auto-win cheatée, tout ça. C'est la seule solution pour que je participe au tournoi. C'est soit ça, même pas que je tout le monde, c'est soit ça, soit on ne le fait pas. Ok, je viens d'apprendre un truc sur. Ça me permet de faire des tests en même temps sur les cas, vous voyez. On peut pas. En. What? Ça dure combien de temps là? Donc, oh, c'est Heavy Fail. Voilà, je vais le tuer. Ça n'a pas grande importance, je vais pouvoir déco les cas. Donc voilà, j'essaierai de filmer tous nos combats qui seront remis sur ma chaîne à la place des gemmes les licornes qui vous ont beaucoup plu d'ailleurs, j'ai vu ça, et qui continuent à vous plaire puisque j'ai reçu des MP sur la bêta. Ouais, c'est quand le prochain, hein, gemmes les licornes et tout, machin.
Donc voilà, c'est comme d'habitude, ça sera le vendredi jusqu'avant le tournoi, donc le week-end, le mercredi d'avant si je ne me trompe pas. Donc voilà, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Ça aurait été plus blabla qu'autre chose, mais il en faut des fois. Oui, et puis vous avez un combat à Grob, et vous aurez, je pense, le combat du Up 150 de Leka et sûrement du Up 180 du Zobal en même temps. Donc je vous dis pas au revoir puisqu'on va se retrouver tout à l'heure pour le combat du Up. 12 fois que je le dis, Vino, t'es chiant. Donc en tout cas, j'espère que cette première partie vous aura plu. J'espère que vous en avez bien profité. Et je vous dis à tout à l'heure pour le petit Benleribatare. Bye tout le monde. Re tout le monde, nous revoilà donc pour la seconde partie de cet épisode de 14, si je ne me trompe toujours pas, d'un nouveau départ. Et je ne suis plus avec mon Eka et mon Zobal, mais je suis avec ma team au grand complet pour faire up mon Eka. Donc vous voyez que mon Eka est à 6 631 956 XP du niveau 150. Donc niveau requis pour avoir une inscription valide au tournoi des 10 ans. D'ailleurs, je m'excuse si la première partie de la vidéo était un peu brouillon. Je l'ai tournée le matin. Il devait être 10h-11h, je crois, ce matin quand j'ai tourné. Et j'étais encore dans un état de second degré somnolent. Et c'est assez bizarre pour faire une vidéo. Enfin bref. J'espère que vous me pardonnerez, comme d'habitude en même temps. Donc voilà, on va tout de suite, sans plus tarder, sans plus attendre, lancer une petite capture du Ben le Ripat. Bah, je vais la lancer, je vais faire le combat. Donc, on va se placer. Donc vous verrez 30 secondes les persos en mode tactique. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Puisque c'est, vous le savez, c'est comme ça que je joue avec ma team. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop les cloches qu'il y a dehors aussi. La cathédrale qui s'excite. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme châle? On a Pétulant et Le Temps qui court. Et bah, pour vous, pour une fois, je vais y faire gaffe et je vais essayer de faire les deux. Et on se retrouve juste à la fin du combat pour savoir si je vous ai réussi ou pas. Allez, à tout de suite! Et donc, on se reprend pour la fin de ce combat où vous voyez, j'ai respecté le challenge, le temps qui court. Où je fais des misclics. Et j'ai pas pu faire pétulant à cause de mes baguettes. Et on va voir tout de suite s'il est KO ou pas. Et non! Oh, c'est l'infini! C'est l'infini, regardez, il manque 500 000 XP. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça en live. On va même regarder les hops en live. Comme ça, vous avez vu un peu l'avancement de ma team, un peu du spoil cette vidéo, mais c'est pas grave. On fait ça pour le tournoi, pour moi, puis pour vous aussi, pour que vous voyez un peu de spectacle hein, dans cet épisode. Par contre, je sais pas si j'ai des kamas sur. J'ai 80 000 kamas. On va essayer de trouver un petit boss qui prend, où on prend du 500 000. Hop. Sur un rat noir. Vous ne disposez pas d'assez de kamas. Ah! Allez, c'est parti. Par contre, pourquoi il n'y a plus le son de Dofus? Encore une fois. Ça m'arrive tout le temps qu'en vidéo. Voilà, là normalement il y a le son. Il n'est pas trop fort, mais il y a le son donc. On va chercher une petite pierre du rat noir. Si je pouvais l'acheter sans que ça soit dissident, merci. Hop, on est parti. On va remonter, on va tout simplement là. Je connais pas du tout le niveau, donc on va la taper à 2. Je pense que ça devrait suffire. Oula, j'étais un peu en mode voix endormie là, c'est. Pardon, c'est pas cool. Donc, on va lancer cette petite capture. On va voir niveau combien elle est. Non, c'est sur le Zobal qu'elle est, c'est vrai. Voilà.
Elle est niveau 440. Donc on va y aller à 3, je pense. On va y aller avec le Zobal, les Caflip, et on va passer sur les autres persos. Pas le Panda, pas les Nus, pas le Feka, les Nids, pas l'Iop et pas le Xel. Je vais vous désactiver tout ça, puisque c'est moche. Là, on va repasser sur mon Zobal. Prendre un peu de pain. Sur les nids. Voilà, nickel. Petite capture Royal Mood, comme ça en live, ça fait pas de mal. Je vous mets. Voilà, la petite animation des sorts. Donc voilà, c'est parti. Le petit chan vert. Et là, non, je n'ai pas de son. Pourquoi? C'est gratuit. C'est totalement gratuit et je n'ai pas de son. C'est pas grave, on va quand même faire tous les réglages comme il faut. Voilà, ça devrait être pas mal. On est parti. On va l'autof. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas l'autof avec les nids. Roulette et chacun son monstre. Oula. Je me trompe dans mes raccourcis. Voilà, on va régler ça avec les cas. C'est parfait. Ah, ça fait du bien en même temps aussi de se poser un peu comme ça, de se dire qu'on est au calme. Ouais, fuck les châles. On est au calme, voilà. Bon, peut-être qu'il n'y a pas la musique, mais on est tranquille, on peut taper les mobs, on peut faire ce qu'on veut sans avoir de stress particulier. Et je me suis encore trompé de raccourci. Là. Je vais pas vous commenter, hein. On tape, voilà. C'est tapé! Je vais pas le faire parce que. Et ces raccourcis sont buggés, décidément, excusez-moi. Je vais pas le faire à la première base, sinon je pourrais péter mon micro. Nickel. Voilà, maintenant on va enchaîner le rat noir. Il a lancé sa peste noire. Hey, c'est pas vrai! Voilà. C'en est fini de notre cher rat noir. Ouh, cette fois je me suis pas trompé. Hell yeah. Ah là, la roulette 400J. Et comme je suis le roi des 70 PV, c'est le Zobal qui va finir. Et j'ai entendu l'up 150 de l'Ekaflip. Donc voilà, c'est en live, c'est en direct live. Le premier niveau 150 dans ma team. Et mon Ekaflip donc, qui est fin prêt, on va accepter le succès pour le tournoi des 10 ans. Je vais quand même le faire up 151 pour assurer, on sait jamais que quelques mauvaises surprises m'attendent. Mais je vais vous épargner ça, vous avez vu l'up 150. Je vous ai un peu résumé tout ce qu'il allait se passer. Je vais y arriver. Et donc en tout cas j'espère que cette vidéo un peu brouillon sur le début et même sur la fin vous aura plu. Et je m'excuse pour la qualité mais bon je voulais vous le proposer quand même. Ça me tenait à cœur. N'oubliez pas par contre de laisser un petit like, un petit commentaire. Et de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu tout simplement. Et moi je vous dis vous êtes super, restez comme vous êtes. Ciao ciao bye bye tout le monde, allez salut.